Bonjour les amis, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour nos petites vidéos du samedi matin. Sachez que j'y prends du plaisir, c'est nouveau pour moi, mais j'apprécie. Voilà, alors je voudrais vous présenter les images que je vais vous montrer aujourd'hui, parce qu'elles vont vous paraître peut-être surprenantes. Pourquoi surprenantes? Parce qu'on est d'accord que l'aïkido est quelque chose de profondément dynamique et très très mobile. Il y a beaucoup de déplacements dans l'aïkido. Et pourtant, paradoxalement, je vais vous montrer un cours où je reste totalement immobile. Mes pieds ne bougent pas. Alors pourquoi? Parce que ce qui compte, ce qui est important finalement, c'est le déplacement du centre. Donc dans les vidéos suivantes, les pieds ne vont pas bouger, mais le centre va se déplacer d'avant en arrière. Et ce travail, justement, c'est pour nous concentrer sur un déplacement du hara. Voilà. Alors, ils sont des déplacements en ligne, donc je ne vais pas sortir de la ligne d'attaque. Sur une attaque, je sors. Mais là, ce sont des saisies. Donc, sur des saisies, il est fort possible de rester en face de l'attaque, d'absorber et de renvoyer. Donc voilà, je vous laisse découvrir les images. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci beaucoup. Corps, jambes avant. Ici, vous accueillez le partenaire. Poids du corps, jambes arrière. J'accueille. Et en it's a sensing. Jambes arrière, jambes avant. Jambes arrière, jambes avant. Statique, par là.